Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui va débuter, oui, débuter dans quelques instants, malgré le temps très british aujourd'hui. Il a plu des cordes, il continue de pleuvoir, mais la pelouse a été inspectée par les arbitres. A priori, elle est praticable, elle sera un peu lourde évidemment, mais le match va pouvoir avoir lieu et il s'annonce passionnant vu les talents qui sont regroupés aujourd'hui dans ce stade. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, vu que c'est un match amical. Oh, l'occasion ! Et oui, le but ! Et regardez un peu qui marque dès le début de cette rencontre. Alors ça, c'est un super début de match. On attend forcément beaucoup de lui. Il faut dire qu'il déçoit rarement. Vous en pensez quoi de ce but d'Arren? L'appel était bon, le service était parfait et il a brillamment conclu cette action. Bravo. Number 12. On attendait un choc spectaculaire, on n'est pas déçu. Günther. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Allez au bout! Oh la grosse, ça peut être dangereux! Oh c'est dedans! Ils font le break dès ce début de match, ça part fort! Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne, il est allé tout seul et c'est parfait. After 7 minutes, number 7, Antoine Griezmann. L'équipe de France vient peut-être de se mettre à l'abri. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Koundé. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Kamavinga maintenant. Griezmann. Voilà qui met un terme à cette attaque patiemment construite. La bonne passe. Et ce ballon sur l'aile. Et le ballon est sorti. Touche. Mbappé. L'équipe de France qui mène déjà 2-0. Ça peut très bien tourner à la démonstration cette affaire. Théo Hernandez. Tchouaméni. 15 minutes se sont écoulées. L'équipe de France qui a quand même marqué deux fois en 10 minutes. Ils ont donc fait le break. Gundogan. La bonne interception. Ça, c'est directement pour le gardien. Coup franc pour l'Allemagne. Rudiger. Moussiala. Il choisit le côté gauche. Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. Hernandez. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Kamavinga. Konaté. Upamecano. Koundé. Avec Dembélé.
La passe dans l'axe. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Konaté. Koundé. Et maintenant Dembélé. Kamavinga. Oh, Griezmann. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Le bon ballon. Oh, le tacle. Koundé. Kamavinga. Ça joue à gauche. Non, ça manque d'application. Havertz. Et ce sera une faute. Pour Gundogan. Havertz sur la gauche. Coup franc pour l'Allemagne. Klostermann. Et il est passé. Il est en confiance, mais ce n'est pas passé. Il s'est retrouvé sans solution, aucun mouvement, aucun soutien autour de lui. Musiala. Et maintenant Rüdiger. Günther. Dans la profondeur. C'est bien fait ça. C'est joué long. Oh, attention! Il joue sur sa gauche. Bien servi. Two added minutes has been indicated. Kamavinga. Konaté. Tchouaméni maintenant. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. On a vu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Everyone, please welcome our players to the field. Coup d'envoi de la seconde période. Klostermann. Il cherche la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Non, c'est récupéré. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Mais le ballon a franchi la ligne. Il reçoit le ballon, il est tout seul. Joli geste. Kamavinga. Non, ça manque d'application. Oh, la belle contre-attaque. Dans la profondeur, bien vu. À droite, Niabri. Dans la profondeur, c'est bien donné. Oh, le bon ballon. Le tacle.
C'est joué à deux. Corner mal négocié, le contre à suivre. Attention, la roue tourne. Musiala. Averte. Il choisit le côté gauche. Oh, voici Sané. Il continue son action. Ah, c'est dommage, il partit bien ce contre. Mbappé. The attendance for this match was 72,306. Kamavinga. L'arbitre siffle une faute. Griezmann, qui a déjà marqué aujourd'hui. Oh, il s'est bien battu. Ballon récupéré. Averte. C'est joué long, c'est dangereux. Il est bien placé. Il n'est pas hors jeu. Va-t-il en profiter? Un autre tir. Ça ne passe pas. L'Allemagne qui récupère ce ballon. Tchouaméni. Il change complètement de côté. Gnabry. Il est sorti du jeu. Et c'est donc un changement. Voilà un joueur auquel il ne faut pas laisser le moindre espace. Il a l'habitude de casser les lignes avec ses passes. Substitution for France, number 11, Dembélé, number 25, l'arbitre signale une faute. Camavinga. Coming on the field, number 20, Kingsley Coman, number 14, Rabiot. Colomouani, ça joue à gauche, la passe dans la profondeur, le bon dribble. Griezmann, mais ça va pouvoir repartir. Ça n'arrivera pas, pas assez précis. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Ça n'ira pas plus loin. Gnabry. Rabiot. Upamecano. La passe dans la profondeur. La passe est précise. Il a le champ libre. Bien servi. C'est ça. Il met la tête. C'était une bonne occasion, dommage. La clé, c'est qu'il ne baisse pas la tête. S'il continue à se créer des occasions, ils peuvent encore revenir dans ce match. Substitution in progress. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Fulkroog qui va avoir du temps de jeu, c'est aussi une forme de message. C'est bien, ça pourrait apporter le changement de rythme dont ils ont bien besoin. Substitution. Coman. Oh, ce jeu de passe, quel régal!
Süle qui récupère ce ballon. Il cherche son coéquipier. Il est bien trouvé. Il tente sa chance. Il marque. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Le suspense est complet. Il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme. Oui, c'est l'exemple parfait d'une transition réussie. Avec leur vitesse et leur puissance, c'est redoutable. Il ne compte plus qu'un petit but de retard. Ils sont back in business. Ils doivent maintenant garder la tête froide et saisir toutes les opportunités. Rabiot. Rudiger au duel. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Oh, voici Sané. Il y a peut-être un coup à jouer. Un duel gagné. Ballon récupéré. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. L'équipe de France qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Tchouaméni. Le jeu repart vers la droite. Ça revient dans l'axe. Voici Coman. Bien servi. Goretzka. Il relance côté droit et ça peut partir en contre. Il est passé. Bien récupéré sur ce duel. Griezmann. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Il relance côté droit. C'est joué dans la profondeur. Vous frappez là. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout. Et à l'arrivée, cette victoire par un petit but d'écart, que c'est beau. Griezmann, qui a été irrésistible aujourd'hui, il mérite cette récompense. Quelle performance! Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui. C'est la fin de notre retransmission. Merci Darren de nous avoir accompagnés et salut à tous. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service.